Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, je dois faire les courses. Ça me déprime, j'ai aucune envie d'y aller. J'ai envie d'aller dormir, tout simplement parce qu'Aaron a très mal dormi cette nuit. Il s'est réveillé de très 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 nombreuses fois. Et quand il se réveillait pas, en fait il dormait et il pleurait en même temps avec la main dans la bouche. Donc c'était les dents. Bien évidemment je lui ai donné de l'Iprane, j'ai appuyé les dents. Enfin voilà quoi, mais... c'était quand même difficile, la nuit a été compliquée pour moi. J'ai bien hâte que Julien rentre et prenne le relais, je vous avoue. Il rentre ce soir, tard, donc voilà. Excusez-moi, je débarrasse parce qu'en fait, j'hésitais à aller direct en course, mais j'ai pas fini ma liste et tout. Je me suis dit, laisse tomber, tu vas tout embrouiller. Donc ce que je fais, c'est que je prépare déjà la table. Comme ça, quand je rentre, j'ai plus qu'à filmer. Et puis là, je vais aller faire ma petite liste des repas et des courses, quoi. Pas trop de choix. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Je rentre des courses. J'ai abusé. J'en ai eu pour au drive pour 130€. Et ensuite, je me suis dit que j'allais faire les fruits. Excusez-moi, j'installe mon retour de course. Je me suis dit que j'allais faire les fruits et tout ce qui était viande, en fait, en magasin, donc au Leclerc. J'avais la flemme d'aller jusqu'à chez Lidl. Tout simplement. Désolée, j'aurais pas terminé, je transpire, c'est la folie. Donc, j'en ai pour près 130 au drive et j'en ai eu pour 96€ en magasin. Moi qui dispute Julien parce qu'il garde pas les prix et quand je lui demande de faire les courses, il exagère selon les produits. Bah, alors là, n'importe quoi. Bon, pour ma défense, j'ai vraiment craqué sur plein de trucs, mais ça valait le coup. Et je pense qu'on a mangé pour 15 jours. Je dis ça à chaque fois, mais... Ah, c'est le message de Julien. Parce que quand je lui ai dit, tu vas me tuer, j'ai fait ça, il a fait MDR, enfin, il s'en fout. Hein. C'est pas lui qui gère les comptes, en réalité, c'est moi. C'est surtout que moi, je le dispute, et en fait, je fais pire, quoi. Bref, je vous laisse que... C'est dur, j'installe tout ça, je fais mon retour de course, et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, mission accomplie, j'ai rangé les courses... J'en peux plus, je me suis acheté une pizza surgelée pour gagner du temps parce que je suis fatiguée des courses et que je n'ai pas prévu le repas. Donc j'ai encore ma petite vaisselle à faire d'hier. Ah oui, mon assiette d'hier soir, mon petit déj de ce matin. Et du coup je vais attendre de manger, je ferai tout. Voilà, je vais monter, il faut que je lance une machine. Et puis voilà, j'ai passé un coup d'aspi. Mais voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour ce que j'ai à faire. Je vais vous laisser parce qu'il faut que je monte des trucs à l'étage, des courses que je viens de faire. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous ai encore oublié les 15h30. J'y vais. En fait, je me suis reposée un petit peu. Je me suis mise devant Marie Kongo, je sais plus c'est quoi son nom, celle qui a fait l'art du rangement. Je me suis endormie devant. Et... j'ai fait la miniature du retour de course et du vlog qui sortent demain et après-demain. J'ai fait ma vaisselle et j'ai lancé une machine. Et j'ai rangé du linge aussi. Voilà, donc là il est l'heure d'aller chercher mes petits monstres. Donc je vous laisse, je pars les chercher. Il fait tout gris, pleuvait un peu légèrement. Et puis voilà. Bon, on est rentré, j'ai reçu mes chaussons que j'avais commandées. Donc je vais vous les montrer. Je suis trop contente. Ils ont l'air top, je les ai pas encore essayés. Je vous montre vite fait parce qu'avec les petits c'est compliqué. Donc voilà, c'est ces chaussons là, ils ont l'air hyper confortables, j'ai rattrapé une étiquette. Donc du coup voilà, c'est ceux là, ils sont hyper confortables, enfin ils ont l'air hyper confortables, je ne les ai pas encore essayés, je vais les mettre de suite. Donc je suis très très contente. Bon, il est 9h10, je vous prends tard, je suis au bout du rouleau, je suis crevée. En fait je marche bizarrement mais c'est parce que j'ai mal... Alors je sais jamais bien si c'est ma sciatique ou autre. Mais voilà, bref, je douille d'un côté. Alors où est-ce qu'on sent les télécommandes? Ça c'est un truc... Oh, j'ai pas vu qu'Aaron il avait tout renversé les livres. Bon. Il faut que je me pose parce que j'ai vraiment mal à la cuisse. J'ai mal tapé toute la vaisselle. Donc voilà. Par contre je crois que le petit bonhomme... Il a joué avec mes télécommandes. Je vous ai pas montré mes chaussons.
Ils sont trop confortables. Ah, je suis bien. Parce que généralement, j'avais tout le temps froid aux pieds. C'était une galère. Ils sont... En ce moment, j'avais tout le temps froid aux pieds. Du coup, j'osais plus... Enfin, je me dépêchais de rester... De vite retourner là où il n'y avait pas de carrelage dans la maison. Quand je faisais la vaisselle, j'étais pas bien et tout. Bon là, j'ai toujours mal au dos, mais... Mais moi, j'ai plus froid aux pieds, ça c'est cool, je suis contente. Bon, du coup, je vais me poser un coup devant la télé. Julien est sur la route, il va bientôt rentrer. Et en fait, tout à l'heure, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai préparé des petits pois. Et j'ai utilisé, vous savez, la fleur de sel à l'ail que j'avais acheté à la crêperie. Je sais pas si c'est à cause de moi, si je l'ai mal dosé ou quoi. Pourtant, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Et les petits pois étaient immangeables. C'était pas bon. Ça piquait. Enfin, ouais, j'ai goûté, j'ai dit laisse tomber. Je suis un peu déçue parce que du coup, j'ai foiré mes petits pois. J'ai pas pu les rattraper. Donc, tout mon bocal de petits pois et un bon gros oignon, tout beau à la poubelle, ça me fait mal au cœur. Mais voilà. C'est la première fois que je rate des petits pois, mais je pense que j'aurais pas dû mettre la fleur de sel. J'avais mis plein de bonnes épices pourtant, enfin voilà. Donc du coup, je me suis rabattue, j'ai fait des œufs en omelette. Donc les petits ont mangé ça. Et voilà, Julien va rentrer et il va s'arrêter au McDonald's. Je sais que c'est pas très très bien, mais de temps en temps, hein. Voilà, j'en avais envie et j'avais surtout pas le courage de recuisiner, de refaire à manger, etc. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous reprendrai un petit coup quand je l'appelle jamais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je vous reprendrai un petit coup quand Julien sera rentré. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Bon, Julien vient de rentrer avec le petit McDo. Donc voilà, j'ai pris un 280. D'habitude je prends un Big Mac, mais là j'avais envie d'un 280. Avec un petit wrap et des frites. Il est là-bas, alors il est en pleine détresse parce qu'en fait pendant son absence il y a un de ses poissons qui est mort. Mais c'est vraiment pas de ma faute, je leur ai donné tous les soirs. Tu leur donnes combien de doses de repas? Ouais, j'ai donné deux. Pardon? J'ai pas très bien entendu. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas, tu m'as pas encore en racheter, on a plein de petits bébés dedans. Ah, je croyais que ça disait qu'on allait racheter des poissons. Bah oui, il y en a plein de petits bébés. Du coup, je sais pas lequel est mort, mais j'ai vu qu'il était en mauvais état depuis... je suis pas... Ah bah tu vois, j'aurais dit plutôt celui qui était espagnol là, non? Ouais, ah tu vois, je sais mieux que ça. Parce que ça fait plusieurs jours que je voyais, mais ça fait déjà même presque plus d'une semaine. Oh. Ah, ça a l'air d'être la femelle celle-là. Non, c'est le mâle qui est mort. Non, parce que j'ai. J'ai bouffé les queues là. Mais je croyais qu'ils étaient pas en bon état, ouais. Alors, c'est qui bouffe? Parce que moi je leur ai donné à manger. Alors, je leur ai pas donné le lundi soir, j'ai oublié le lundi soir. Merci. Non, je leur ai donné le mardi. Bonjour Julien. Salut, ça va? Ça va. Je leur ai donné le mardi matin. Et après, j'ai continué le mardi soir et j'ai refait le soir. J'ai pensé à nourrir les poissons, j'ai sorti les poubelles. T'es fière ou pas? De quoi t'as sorti les poubelles? Bah, attends, pour sortir les poubelles, c'est compliqué, il faut aller au bout du chemin. Là-bas. Bah, non, parce que je sais jamais laquelle est la nôtre. Donc je... Bon, je vous laisse parce qu'en fait ça va être froid. Donc, ouais, à toutes. Après 4h, je sais pas combien de temps, 4h30. C'est vrai que je me suis posée sur le canapé depuis 4h.